Vous savez bien parfois cette petite voix en vous qui chuchote des idées, des doux et des sales coups. Est-ce qu'elle a raison ou alors a-t-elle tort? Quelle est la voix qui vous rendra chaque minute qui passe sur toutes les têtes du monde, il y a des questions qui furent et qui sondent. Le bien, le mal, le bon, le vrai, l'inventé, ça nous prend un temps fou de toujours tout juger. Chaque choix que l'on fait nous ferme plus de portes, et celles qui s'ouvrent à nous sont-elles celles qui importent? Toutes ces questions et les réponses ne viennent pas. Saura-t-on seulement si on a tort ou pas? Alors, comment savoir, comment comprendre tout ce qui nous dépasse? Alors, comment savoir ce qui nous aide, ce qui nous casse? Mais regarde-les bien, ces anges derrière moi, car nuit et jour, depuis ta naissance, ils sont là. Ils veulent gagner ton âme, et toi tu ne le sais pas. Ils combattent pour toi, à chacun de tes pas. Ton âme est un trésor qui vaut plus cher que l'or, mais parce que tu l'ignores, tu en jouais alors. Les uns marquent des points sans que tu l'aies voulu, les autres prient pour toi, car tu es un élu. Alors, comment savoir, comment comprendre tout ce qui nous dépasse? Alors, comment savoir ce qui nous aide, ce qui nous casse? Les humains sont comme des pierres qui tout seuls ne valent rien, mais soudés par la prière, ils deviennent le chemin vers le Père, le chemin vers le bien. Alors, comment savoir, comment comprendre ce qui nous dépasse? Alors, comment savoir ce qui nous aide, ce qui nous casse? Le destin de Claire était tout comme le tien, pas droit, pas clair et même franchement incertain. Durant toute sa vie, elle a fait comme toi, des erreurs, des faux pas et puis des mauvais choix. Va la rencontrer et tu devrais comprendre que sa seule solution à elle c'était d'apprendre à toujours tout donner, gaiement et en riant, et à aimer son Dieu toujours aveuglément. Alors, comment savoir?